Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobaguru, j'espère que vous allez bien. J'ai fait de nombreuses vidéos sur Black Desert Online, BDO, sur l'ancienne chaîne. Et puis finalement, j'avais arrêté d'y jouer parce que j'avais eu un problème. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo est faite pour vous montrer comment monter un personnage rapidement. Tout simplement parce que j'ai dû remonter un autre personnage pour récupérer des armes pour mon archer principal, où suite à ce problème j'avais plus d'équipement. Voilà, en fait tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu par hasard que les développeurs ont mis en place quelque chose de différent. Avant, on avait des saisons qui duraient un temps fixe. Ben maintenant les saisons sont permanentes, perpétuelles. Voilà, vous créez un personnage saisonnier, vous le montez, vous encaissez, vous diplômez votre personnage en encaissant tout ce... J'ai dit encaisser, j'utilise le terme encaisser parce que pour moi c'est ça en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui ne font que ça. Ils font des personnages saisonniers pour récupérer tous les loots et améliorer leur personnage principal grâce à ces loots. Bien comprendre ça, hein. Alors, on est quand même limité en nombre de personnages. On ne peut avoir qu'un seul personnage saisonnier. Alors, je vais utiliser le terme en même temps. Ben oui, hein, on n'a qu'un seul personnage saisonnier, mais on peut en créer régulièrement, on va dire. Les développeurs nous donnent des tickets qui nous permettent d'avoir un slot potentiel pour un personnage saisonnier. Alors, la première chose à bien saisir, c'est qu'avant même d'aller, avant même de lancer la création du personnage, il faut choisir le serveur. Donc, vous avez 5 serveurs disponibles en saison qui donnent tous un boost d'expérience, mais il y a 3 choses à savoir. Les deux premiers, saison 1 et saison 2, sont des serveurs qui sont dits pour novices. C'est-à-dire que pour rentrer dedans, il faut que le total des personnages sur le compte ne dépasse pas les 200. Vous avez 3 personnages à 60, ça fait 180, d'accord? Donc les deux premiers. Les deux suivants, les bonus d'XP sont les mêmes, mais eux ne sont plus des novices. Vous voyez, il n'y a plus la limite. Et le dernier, c'est un serveur PVP. Donc, vu que le premier est bondé, on va prendre le deuxième. Ensuite, on doit créer un personnage saisonnier. Faites attention, hein, ne cliquez pas sur personnage normal. Donc on crée un personnage saisonnier et là on fait son choix de classe, de design. Voilà, une fois le personnage créé, on lance la partie. Je vous conseille de commencer à l'ancienne salle de pierre. Parce que en fait pour le leveling c'est facile. J'ai lu des guides et bien évidemment si vous êtes aguerri vous pouvez commencer par les deux autres. Mais je pense que ça reste plus simple de commencer par l'ancienne salle de pierre. Vous pouvez skipper toutes les cinématiques en maintenant la touche R, d'accord? En appuyant sur Entrée. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de... Ah ben oui, on va spammer la touche R, c'est ce qu'on appelle, d'accord? Donc, on est obligé de passer toute cette partie. Donc, vous la jouez, je vais vous montrer à quel moment on va passer la bascule. C'est-à-dire que on a commencé ici, à l'ancienne salle de pierre. Bon, donc on va aller à l'intérieur du... Voilà, on va aller à l'intérieur, etc., etc. Il y a toute une partie. Ensuite, on arrive au poste de garde ouest. On choisit le camp que l'on veut. Tout ça, vous... On le joue, on est obligé de le jouer dans l'idée que j'ai du titre. Parce que c'est Avelia que l'on va sélectionner le choix de faire du farm. D'accord? Donc je vais passer toute cette partie parce que je ne vais pas la jouer. Enfin, je vais la jouer, mais je veux dire, je ne vais pas l'enregistrer pour ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, la première grosse difficulté du titre, elle est là. On va devoir dès le début affronter un boss.
Oh, can you see it? Hold on, don't touch it. Charlie, c'est pas bon. Donc on ne fait que suivre, d'accord? Personnes qui font la même chose. It's Red Nose's hideout. Why don't you take a step back? Fania's soldiers will be here soon. It's best to fight together. Voilà. Et alors là, je vais galérer parce que c'est un personnage que je ne maîtrise pas au niveau des compétences. Et surtout que là, pour le moment, j'ai pas l'équipement avancé, rien du tout. Hein. Donc on va tenter le coup. On va pas passer toujours les cinématiques. Toujours se mettre dans le dos. Hein. Il s'enrage. Pas compliqué, la seule différence c'est que voilà, on est niveau 12 et on fait face à un boss quoi. Mais bon, pas compliqué, je vous l'ai dit. On continue à tchatcher, à discuter, blablabla, il y a beaucoup, c'est comme ça. Et on va voir Momo, le justicier de Velia. Donc, on descend. On peut couper, hein. À partir de là, jusqu'au niveau 50, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a que du fight. Vous allez comprendre. Hop. Voilà. Et donc c'est lui qui décide de ce que vous voulez faire. Carrefour principal ou carrefour simplifié ? Si vous n'avez jamais joué l'histoire, vous prenez le carrefour principal. C'est important, c'est nécessaire, même si vous avez envie d'aller vite. Si vous l'avez déjà fait, vous prenez le carrefour simplifié. Et alors là, c'est une toute autre histoire. Vous faites ce que vous voulez. Vous devez aller parler à Fougar. Donc on va d'abord aller parler à Fougar. Où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Je récupère mon cheval. Un cheval, parce que j'en ai toute une liste. Voilà, voici Fougar. Enchanté, nous ne traitons pas avec les aventuriers début... Ah, oublie ça. Alors, on vient de la part de machin.
la guilde des marchands, voilà. Donc il va nous donner, il faut venir voir Fugard de temps en temps. Et c'est le jeu qui le demande. Parce qu'il y a des paliers à passer pour avancer dans la progression. Alors, pourquoi je suis venu le voir ? Mais parce que déjà, dès le début, c'est lui qui vous donne l'équipement Naru. Plus de l'or. Ben oui, il m'a donné déjà 5 millions. Ah non, mais oh, ça rigole pas, hein ? Bon. Voilà, donc j'ai déjà un équipement Naru. Et à partir de là, on va commencer à collecter les petites... alors, cliquez pour aller voir le PNJ. Esprit occulte, oui. Voilà, cadeau. Et progression, chapitre 1. Voilà, il nous donne des pierres de novice. L'objectif, atteindre le niveau 20. Donc, ne pensez pas que vous allez monter d'un tri. Non. Il faut s'arrêter au niveau 20. Et puis surtout, il faut regarder le pass saisonnier régulièrement. Pourquoi ? Atteindre le niveau 5, je suis déjà 12. 13. Donc, j'ai déjà accepté ça. Monter de niveau 10, j'ai déjà récupéré ça. Monter au niveau 15. Donc, au niveau 15, il faut penser l'ouvrir. Comme ça, on récupère 4 d'extension. Au niveau 18, on nous donne un cheval T8. Tier 8, oui ! Bon, c'est une jument, c'est toujours du jument, hein. Mais on nous donne un cheval doré de tier 8. Bon. Au niveau 20, ce sera la cravache. Ça vaut le coup. Au niveau 21, ce sera la pierre noire de novice. Donc, on monte, mais elle est obligée d'ouvrir le pass saisonnier régulièrement. Alors ensuite, vous pouvez acheter le pass de l'esprit occulte qui vous donnera des tenues, etc., etc. Le problème, c'est que je trouve que c'est gonflé au niveau des prix. Le pass de l'esprit occulte coûte 3000 perles, c'est-à-dire 3000 acoin, que un acoin égale une perle. Bon, un peu, voilà, 4000 plus 360 égale 4000, d'accord ? Donc un pour un. On va dire que le bonus, c'est même pas 10% en plus, hein, c'est 9%. Ah ouais, non, mais là, 4000 acoin, c'est 40 euros. Je suis navré, mais moi, je comprends qu'ils aient besoin de gagner de l'argent pour faire tourner le serveur. Mais 40 euros pour avoir un pass, pour gagner quoi? Pour gagner quelques bonus, c'est que 50%. Alors, il y a des choses, voilà, les pierres de crône, c'est très intéressant. Une pierre de crône, c'est 3 millions. Hein. Voilà, une pierre de crône, c'est 3 millions. Donc, bien sûr, on nous en donne 100. Eh oui! On nous donne 300 millions. Mais bon. Hein, c'est quand même un peu gonflé. Alors, on va faire un test. On va faire un test. C'est important avant que je vous montre les zones importantes à faire. Welcome to Valia. Need to use the storage? Donc, je ne peux pas utiliser l'équipement que j'ai monté avec mon archer. Vous le voyez, il est barré. Parce que c'est un équipement qui n'est plus saisonnier. Mais par contre, eh ben oui. Je peux équiper tout ça. Alors, le tome de l'aventurier me l'a déjà donné. Alors que je pensais que... oui, voilà, bon. Récompense de la quête, hein, après avoir atteint le niveau 53. Mais à partir du moment où vous avez déjà un personnage... à partir du moment où vous avez déjà un personnage qui est plus de 53, il vous le donne dès le début du jeu. Bon. Mais... Ah, mais regardez, parce que tout va changer. Je vais gagner 300% d'XP de combat sans avoir installé, sans utiliser pour le moment des scrolls, ok? Plus la pierre d'esprit qui, elle, me donnera 30% de compétences et 50% de combat en plus. Donc, je suis déjà à 350. Notre quête principale, c'est de monter au niveau 20. On va allier ici. Mais je suis déjà niveau 13, moi.
Donc on va le faire un petit peu, mais surtout, pourquoi je vous dis depuis le début qu'il faut avoir joué ? Parce que le jeu fonctionne sur du brouillard de guerre. Oui, il fonctionne sur du brouillard de guerre. Donc si vous n'avez pas joué la mission d'abord, si vous n'avez pas fait la quête, vous ne pouvez pas accéder aux zones qui sont nécessaires. Parce qu'on commence là. On va aller se faire des gobelins qui sont au niveau 12-15. Mais vous allez voir, ça va très vite. Donc ensuite, il faut qu'on descende rapidement ici, à la plantation. Voire aux ruines du château. Ensuite, on descend ici, au Fogan des Marais. Et vous allez voir que ça pulse à une allure. On doit alterner avec le monastère. Et puis on doit bouger. C'est ça qui est important, c'est qu'on doit bouger. On doit bouger. On doit aller au camp des orques, qui est ici. Mais on sera déjà niveau 30, mais pas loin. Ah ouais, non, mais ça va trop vite en fait. Alors, je vais faire une chose qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, je vais laisser le cheval un peu au milieu. Mais bon, le cheval, il est niveau 30, donc il risque rien. Mais... Vous voyez, c'est écrit en vert. Lui, c'est écrit en rouge. Donc, je vais avoir du mal à me le faire. Mais vous allez voir la quantité d'expérience. En 3 monstres, j'ai pris 30%. Vous l'avez vu, hein? Tu es fou, tu attaques un monstre trop important. Oui, le monstre, il est marqué violet. Il est marqué difficulté violette. Voilà, niveau 15. Et normalement, il faut que je sorte de la zone. Le problème, il est là, c'est qu'en plus, on est dans des zones où, là, au début, c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment trouver une zone. Voilà, bon, de l'autre côté, il y a un peu plus de monstres. Regardez ça! Niveau 16. Alors, soyez prudent, n'essayez pas de forcer la difficulté. Parce que les ennemis ne vous rateront jamais. Il faut en être conscient. Vous voyez ? Ah, bien sûr, là je vais gagner beaucoup de points, beaucoup d'expérience. Mais. Ça va vite. Hein. Alors, il y a des couleurs différentes. J'ai noté ça aussi. Quelquefois, vous allez voir des rouges vifs ou des rouges moins vifs. En fait, c'est dans la tranche de difficulté de niveau ennemi. Le jeu, il est géré comme ça. Vous avez du vert clair ou du vert foncé, du rouge clair ou du rouge un peu plus foncé, etc. etc. Et regardez, je suis déjà niveau 18. Et maintenant, regardez, le rouge, il est devenu rose. Au fur et à mesure que je vais monter mes niveaux, leur couleur va changer. Voilà, maintenant il y en a un qui est passé blanc. Voilà. Parce qu'ils étaient de niveau 19. Mais il y en a encore qui sont rouges. Oh, c'est un boss.
Vous avez peut-être remarqué que les blancs n'attaquent pas forcément. Ils attendent que je sois sur eux. Je suis déjà niveau 20, je vous ai dit. Alors, bien sûr, il y a les 300% en plus, hein, mais... voilà, et maintenant, ils sont passés verts. Donc, logiquement, il faut changer d'endroit. Parce que là, ils commencent à rapporter moins d'expérience. Et oui. Alors, il y en a encore des sons blancs, mais... mais, ben, oui. Il faut changer d'endroit. Donc, c'est rapide. Ah, mais c'est ultra rapide. Le seul truc, c'est de savoir où aller. Et pour le moment, j'ai pas récupéré de... alors, j'ai des lingots, mais j'ai pas récupéré de pierre. Donc, peut-être que ça va commencer par ici. Alors, on a l'extension, le cheval, la cravache. Et au prochain niveau, on attaque avec les pierres. Donc on va installer la cravate, le cheval je vais le stocker parce que de toute façon je l'ouvrirai ailleurs. Encore une chose ici, et vous voyez que j'ai mon inventaire famille, hein, pour le cheval par exemple. Le cheval je lui donne à manger, avec une bête carotte. Donc, ici, on va pas aller là, je suis déjà à 20 ou 21. On va descendre directement ici. Et on va rigoler. Alors. Là, je suis allé dans une zone qui est beaucoup plus difficile. Donc, au début, les premiers monstres, ça va être galère à avoir. Mais... Donc, bien sûr, il faut quand même vérifier ses points de santé, hein, mais... pour pas risquer de se faire avoir, parce que vous voyez que ils ont des archers, ils ont du tout, hein. J'ai pas encore les commandes, ça va être galère. Que je m'entraîne au combo. Voilà, ils sont passés rouges. Alors le seul inconvénient il est là, c'est que vous avez le pass saisonnier qui s'ouvre à chaque fois que vous passez de niveau, et trois quarts de temps vous êtes en combat, vous êtes en train de faire quelque chose. Donc c'est assez gonflant. Mais voilà comment on monte. Voilà comment on monte. Alors il y a toujours des dangers rousses. Hein. Voilà, et j'ai commencé à gagner des pierres en plus, des pierres de temps. Donc des pierres de temps qui sont faites pour monter l'équipement de Tuvala, que je n'ai pas encore. Parce qu'il faut monter. Le Naru à peine. Alors là, bien sûr, vu que les ennemis sont difficiles, je prends un peu plus de temps à les tuer, parce que je connais pas du tout encore le personnage suffisamment. Mais... ça montait, voilà, je serai 22. Alors, tant qu'on a cette difficulté, vous avez le pauvre fou, tu n'es pas de taille, machin et tout. Donc bon, c'est... Je pense qu'il faut pas se presser. Il faut pas vouloir se presser à tout prix pour de dire, ouais, je monte en 2 heures. Ouais, bon. Pourquoi pas, mais enfin... À partir du moment où vous montez, vous voyez que les monstres qui étaient violets, ils sont devenus rouges, et ils sont plus faciles à tuer. C'est le principe du titre. Hein. Ceux qui sont violets sont toujours, toujours beaucoup plus difficiles à éliminer. Donc, on monte plutôt rapidement, plutôt facilement. Enfin, facilement, c'est... raison gardée, hein, mais... Et surtout, on a des loots. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que de nombreux joueurs avancés le font. J'ai looté ça, une pierre noire. Qui est une pierre d'armure. Et donc, qui servira en plus du cheval. Hein, mais le cheval, c'est un cadeau. Mais là, la pierre noire, et on va en looter beaucoup, ça va servir pour monter... les autres armures que l'on va avoir, parce que
pas croire. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le titre, l'équipement de Tuvala que j'ai monté au niveau 5, pen 5, dans, sur mon archer, il est bien, mais il est sans plus. Hein. C'est pas du tout un équipement de endgame, hein, de niveau maxi du jeu. Hein. Il y a beaucoup mieux. Mais pour avoir beaucoup mieux, il faut ces pierres d'armure, ces pierres d'armes pour monter les équipements que l'on va pouvoir looter. Et ainsi de suite. Et pendant ce que je discute, je suis déjà 24. Allez, encore un pour le niveau 25. Voilà. Donc, probablement que ceux qui maîtrisent mieux iront plus vite, n'est-il pas? voilà, atteindre le niveau 20 et parler à l'esprit occulte. Et oui, moi je suis déjà niveau 25, moi j'ai pas discuté avec l'esprit occulte, c'est pour ça que ça va pas du tout. Et oui. On a déjà au chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est le niveau 30. Plus. Oui, plus le pass saisonnier. Puisqu'on a le niveau 21, le niveau 23 et le niveau 25. Et au prochain niveau, c'est 30. Alors, autre chose très 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 importante que je vais vous dire de suite. Donc vous voyez, hein, l'équipement se charge au fur et à mesure. Il n'y a qu'une chose qu'il vous faudra faire, c'est acheter vous-même les accessoires. C'est-à-dire les deux boucles d'oreilles, les deux anneaux, le collier et la ceinture. Mais ça s'achète avec ces pierres noires de novice, ça ne coûte pas très cher. Il y a une chose qui est ultra, ultra, ultra importante. Optimiser une arme principale de Naru au niveau plus 3. Ne faites pas comme certains joueurs. Ouais, super, j'ai des tas de pierres noires, je peux optimiser au maximum, je monte tout. Eh ben non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous montez tout au niveau maxi, lorsque... Alors, l'optimisation fonctionne comme de la manière suivante. Plus 1, plus 2, plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et au-delà de 15, on passe à prix. Voilà. Prix, duo, tri, tête et peine. Le problème, c'est que si vous basculez votre Naru, lorsqu'il arrive à peine, le jeu vous dit « Ouais, bah vous pouvez changer votre Naru peine contre du tube à la prix. » Si vous basculez et que vous n'avez pas encore accepté toute cette partie-là, vous êtes marron. Il faut en racheter un et le remonter. Donc, ne vous pressez pas. Montez votre arme au plus 3 et encaissez. Montez une armure au plus 3 et encaissez. Atteignez le niveau 35, atteignez le niveau 40, le niveau 45. Vous verrez qu'il n'y a pas de souci. Obtenir une arme principale au niveau plus 15. Vous la montez à plus 15. Donc pour faire l'optimisation, on la monte. Vous voyez qu'il faut que je sois 30 hein, pour le prochain. Donc on fait l'optimisation, on monte l'arme à plus 15, on la rééquipe. Hop, la quête se valide. Et là, on est entre le 45 et le 50. Oui, regardez. Arme principale à 15, armure principale à 15. Et ensuite, on passe au niveau 50. Et donc, ça aussi, il faut le savoir. Lorsque vous arrivez à 49 et 100%, vous ne basculez pas à 50. Non, il faut contacter, il faut appeler l'esprit occulte pour passer la mission niveau 50. Ah oui, et à ce moment-là, vous pouvez encaisser le pass. Ah, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. Ensuite, on a une arme à peine et une armure à peine. Et là, équipez-la. Et oui. Le problème, c'est que le jeu est ainsi fait. Lorsque vous avez votre équipement de Naru qui arrive à peine, les personnages saisonniers peuvent échanger leurs équipements de Naru comme celui de Tuvala via le bouton réservé sur la gauche de la fenêtre d'équipement. C'est-à-dire, le bouton, c'est celui-là. Hein, pas saisonnier. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en train de faire l'optimisation et que l'arme, l'équipement de Naru arrive à peine, automatiquement, vous avez en gros
voulez-vous transférer à Tuvalu? Prix. Et les trois quarts du temps, les gens, ils le font. Sauf que ben, vous ne l'avez pas rééquipé. Et donc, la mission, elle ne s'enchaîne pas. Et oui, pensez-y. Hein, pensez-y quand vous le ferez. Donc, on est ici niveau 24. Hein, vous voyez que je suis déjà niveau 25. Donc, ça va très vite. Hein, et que j'ai encore des ennemis à me faire. Ensuite, moi, je passerai directement au camp des orques. Alors, effectivement, il est marqué niveau 23-26. Mais il y a quelques orques intéressants. Les orques rouges, ils donnent beaucoup de points d'XP. Les guides conseillent les orques jusqu'au niveau 35. Alors peut-être pas, mais au moins facile, au 31, vous allez gagner de l'XP. Après, on peut aller au nord de Képlan. Ici. Alors si vous regardez la carte, vous allez voir, ouais, pourquoi tu vas pas là 27-31? Mais parce qu'il faut bouger, oh. Oui, il vaut mieux rester sur une ligne similaire. Donc là, on peut se faire le camp des Sonil jusqu'à 44 à peu près. Ensuite, on va vers les hommes poissons avec la finalité qui est de farmer le plus possible la forêt polie. Alors, faites attention hein, avant d'y aller, c'est du niveau 55. Mais là, je dirais que vous allez pouvoir y rester un moment. Hein. Et pareil pour la... Pareil pour ici. Le camp des hommes-poissons, moi personnellement, même sur les persos, les autres persos pour lesquels j'ai pas fait de farm rapide, j'y suis resté mais très longtemps. Alors, entre les deux... Vous avez un endroit qui est pas mal. C'est ici. Donc, on retourne à Velia. Alors, soit vous passez par Velia, soit vous passez par Heidel. Et vous montez là. Vous avez deux zones. Les Helms. Alors, attention, c'est pareil. Hein. Y a du matos. Et surtout, là, il y a des golems. Et les golems, ils sont pas à niveau 48. Hein. Dès que vous arrivez, les golems, ils sont en violet. Donc, faites gaffe. Ensuite, vous avez le sanctuaire d'Elric. C'est pareil. Les deux zones, là, c'est bourré d'ennemis. C'est ça qui est intéressant. C'est la quantité d'ennemis. Si vous êtes obligé de courir après un ennemi pour en taper un, ça vaut pas le coup. Mais là, attention. Hein. Quand je dis que c'est bourré, c'est que c'est bourré. Et en plus, le respawn, il est rapide. Donc, si vous êtes un peu juste en puissance... vous vous retrouverez entouré, mais ultra rapide. Donc faites très attention. Et donc la finalité, c'est pour moi, c'est la forêt polie. Alors certains disent même qu'ils sont restés là à spammer pendant des heures pour monter jusqu'à 60. Perso non. On peut monter facilement. Alors vous le voyez, hein, la forêt polie, elle est notée en point d'attaque 140, hein, donc il faut quand même avoir du répondant. Là, quand on arrive ici, on est déjà équipé en Tuvalu, donc en Tuvalu prix. Vous savez que de prix à tri, c'est gratuit, entre parenthèses, c'est-à-dire que vous n'avez que les pierres à utiliser. Vous allez consommer les pierres noires remplies de temps, mais c'est garanti jusqu'à tri. Quand je dis c'est garanti jusqu'à tri, c'est-à-dire l'armure, les 4 pièces d'armure et les armes. Mais, bon, faites attention ici, hein, à ce chiffre-là. N'attaquez pas des monstres qui sont trop puissants par rapport à votre niveau. Bon, c'est le premier point. Ensuite, il y a un point qui est ultra important. Et quand je dis ultra important, c'est qu'il est vraiment ultra important. Accomplir la quête d'éveil. L'archer est un personnage... dans le jeu, une classe qui est particulière. Parce que l'archer est, à ma connaissance, des classes que j'ai testées, c'est le seul qui a déjà l'arme d'éveil dès le début. Au début, on a les trois armes sur l'archer. Parce que le grand arc, qui est l'arme d'éveil, on s'en sert dès le début. Le corsaire, comme lui, vous le voyez, j'ai pas d'arme d'éveil. Elle sera débloquée à ce niveau-là, niveau 56. Donc, vous la faites à 56 ou vous la faites un peu plus après, peu importe. Hein. Mais vous êtes obligé de faire un break dans la montée de niveau pour récupérer la quête d'éveil. Deuxième point, c'est ici. Terminer la quête de renaissance après avoir atteint le niveau 56. Pourquoi?
Parce que vous allez débloquer les compétences d'éveil. Ah oui, parce que l'arme d'éveil, elle a des compétences propres. Et ensuite, vous avez des compétences... Voilà. Vous avez les compétences principales, les compétences d'armes d'éveil, la fusion de compétences et l'amélioration de compétences. Donc vous voyez là-dessus, je n'ai pas travaillé encore. Mais à partir du niveau 50, là il vous faut aller voir un maître d'apprentissage, un instructeur. Mais et si vous les oubliez, si vous ne les faites pas, si vous oubliez de les faire, ben vous êtes en dessous de la quantité de dommages que vous êtes capable de faire. Donc il faut travailler dessus. D'accord ? Il faut y penser. Une fois que vous êtes arrivé, allez, jusqu'à 58. Normalement, à Poly, vous êtes capable de passer jusqu'à 56, 57, voire 58. Sachant que vous êtes obligé, selon votre classe, d'aller faire votre quête d'éveil. En fait, même avec l'archer, il y a une quête d'éveil. Mais comme on a déjà l'arc, on fait sans recevoir quelque chose. Je veux dire, c'est pas bon. À partir de là, il faut quitter la zone. Et il faut tout traverser jusque à Valencia. Alors, on va pas aller jusque dans le désert parce que c'est galère, mais vous avez les machines où c'est pareil, c'est de la... Je dirais même que je trouve qu'il y a plus de population ici que sur les polis. Les polis, il y a des amas de champignons, mais c'est un peu juste. Là, vous êtes... c'est bourré. Pareil ici, la horde centaure, elle est très intéressante. Ou alors ici, les ruines de Kadri. Là, mais vous allez prendre des niveaux de malade. N'oubliez pas, toujours avec les bonus, plus 300%, les parchemins que vous allez looter régulièrement ou que le jeu va vous donner, plus 100%, plus 200%, il y a même des parchemins à plus 300%, plus 500%. Vous allez monter de dingue. Mais il faut pas... Ouais, super, les basilisques. Oh, attendez, soyez prudents. Hein. C'est pas la peine d'y aller. Alors, c'est marqué groupe de 3 recommandés parce qu'il y a vraiment des ennemis très haut niveau. Pareil, les Warangons, moi, je reste ici. Je reste là et je reste là. Ensuite, vous pouvez pousser un petit peu. Problème. Si vous voulez attaquer le désert, il y a 3 zones qui sont ultra intéressantes. Mais il faut de l'eau purifiée pour contrer les effets de la chaleur, de l'insolation. Donc il y a un tuto qui vous explique. Hein. Vous achetez des bouteilles vides, vous collectez de l'eau sur une rivière, sur un petit lac, sur un oasis. Et vous purifiez l'eau avec l'alchimie, l'affinement. Voilà, on fait de l'eau purifiée avec l'affinement. Et avec cette eau, vous avez, il faut au moins, je veux dire, une cinquantaine de bouteilles dans l'inventaire. Parce que ça consomme, à certains moments, ça consomme beaucoup. Pour la nuit, c'est l'inverse. Il faut du thé à l'anis. Eh ben oui. Il faut une boisson fraîche pour la journée et il faut du thé à l'anis pour la nuit. Vous savez que dans le jeu, il y a un cycle jour-nuit. Bon. Le temple des Nagas, il est monstrueux. Mais c'est fabuleux. Vous avez gagné une XP de malade. Et oui, pourtant, il est recommandé PA 100 seulement. Mais c'est la quantité de monstres. Le problème, c'est la situation. Pour venir ici, il faut le chameau et les boisseaux. Et les deux autres points qui sont ultra intéressants, mais alors vous voyez où ils sont? Alors déjà, il faut la boussole pour aller les trouver, parce que sans la boussole, vous ne vous déplacez pas dans le désert. Mais c'est le sanctuaire du croissant. C'est pareil, c'est qu'un PA recommandé 140. On a vu 140, on a vu les polis 140. Mais c'est les goûts et les couleurs. Et puis vous avez la vallée de Titium avec les Fogans. Où là, j'ai pris sur l'archer, j'ai pris allez, 2 niveaux et demi. De 58 à... Ouais. 58, 59 jusqu'à 60. Tout ça, c'est rempli d'ennemis. Et en plus, il y a des PNJ. Eh oui, il y a des PNJ qui vous donnent des quêtes, en tuer 100, en tuer 200, en tuer 500. Et dans toutes ces zones, vous avez des quêtes de saison. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous approchez de la zone,
vous avez une petite icône qui apparaît en tuer 250. Et eh ben, ouais, ces pierres de noires remplies d'autant. Il en faudra beaucoup pour monter tout l'équipement à peine 5. Il en faudra beaucoup. Mais le truc, c'est que ben, les polis, ils en donnent pas. Dans la zone des polis, il n'y en a pas. Il n'y a pas ces quêtes-là. De l'autre côté, oui. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, quand le jeu vous indique PA recommandé 140. Oui. Point d'attaque recommandé 140. Les guides parlent plutôt de 160. Ça a été un peu baissé. Mais les points de défense recommandés, c'est, ils sont à 200. Ah oui. Vous pouvez pas y aller avec une armure Naru. Hein. Là, il faut au moins du Tuvala niveau 3, hein, prix. Tri. Il faut au moins du Tuvala tri, à mon avis, hein, pour avoir les 200 points de défense. Ouais, ils sont là. Hein. Vous avez les points d'attaque et les points de défense. Ok. Alors, une fois que vous êtes arrivé au niveau 60, vous avez deux options. Si c'est un personnage que vous ne souhaitez pas conserver, après avoir collecté toutes les récompenses du pass saisonnier, qui est ici, hein, la petite icône là au milieu, vous validez le diplôme, et ensuite vous pouvez récupérer l'équipement, l'inventaire et effacer le personnage. Dans le cas où c'est un personnage que vous voulez conserver, le conseil c'est de monter jusqu'à 61. Ouais, mais pourquoi ? Bah, tout simplement parce que les serveurs saison, donc il y a 5 serveurs saison, dont un qui est PVP, ont des bonus d'expérience. Vous voyez avec la petite flèche, serveur de croissance saisonnier. Ce sont uniquement sur ces 5 serveurs que vous allez gagner 100% d'expérience en plus. Et donc, bien évidemment, l'astuce de charger votre personnage avec des bonus pour aller plus vite. Dans tous les cas, que vous conserviez ou pas le personnage, lorsque vous êtes prêt à valider le diplôme, vous voyez, je suis sur le saison 1. Donc, je suis resté sur le saison novice exprès, hein, mais d'ici peu, à partir du moment où on a gagné suffisamment de puissance au niveau de tous les personnages du compte, on ne peut plus accéder aux deux serveurs novices. Et donc, on passe sur le saison 3 ou 4. Ou 5, si vous voulez jouer un PVP. Mais toujours est-il que, pour obtenir le diplôme, vous avez, en cliquant sur « Obtenir le diplôme », vous avez ce message. « Félicitations pour l'obtention du diplôme. Lors de la remise de diplôme, vous serez automatiquement reconnecté et converti en personnage normal. Le cadeau de remise de diplôme sera envoyé par courrier. La remise de diplôme de la saison n'est possible que sur un serveur normal. » Donc, il faut sortir du serveur saison pour avoir tout ça. D'accord ? Savoir que, également, lors de la remise de diplôme, vous ne pourrez plus bénéficier des avantages liés à la saison. De toute façon, on a tout récupéré. Impossible de se connecter au serveur saisonnier à partir du moment où le personnage est diplômé. Impossible d'utiliser ou de porter des objets réservés au personnage saisonnier. Donc, tout l'équipement de Tuvala qui est marqué saisonnier avec cette petite icône sera automatiquement transféré. Mais si vous avez d'autres équipements, une cravache, un truc que vous avez récupéré en saisonnier, c'est terminé, vous ne pourrez plus les utiliser. Il faudra récupérer l'équipement normal. Conversion automatique de chaque pièce d'équipement de Tuvala avec le niveau d'optimisation le plus élevé, multiplié par 2 pour les boucles d'oreilles et les anneaux. Bah oui, hein, on a quand même... On a 3 armes, 4 pièces d'armure. 1, 2, 3, 4. La ceinture, le collier, 2 anneaux et 2 boucles d'oreilles. Ok ? Impossible d'obtenir les récompenses du pass ou d'effectuer les quêtes et changer au défi... Bah oui, c'est normal, à partir du moment où le personnage est plus saison, terminé. Ok ? Et suppression de tous les objets liés à la saison. Bon. Là, je peux pas parce que je suis pas sur le bon serveur. Mais alors on fait comment ? Vous l'avez jamais fait, c'est là que ça se fait. Alors, je vous rappelle, hein, avant de le faire, montez tout votre équipement au niveau peine. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, faut pas se presser, faut prendre son temps.
les pierres noires remplies de temps qui servent pour monter ça, j'en ai collecté 5 ou 6 000 avec cette solution. Donc, c'est vraiment pas un problème. D'accord ? Et puis, si, la petite astuce, j'en ai déjà parlé, mais je le redis. N'achetez pas au forgeron des équipements tu vas là de zéro pour les monter à peine 5. Non, 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 surtout pas. Vous avez tellement de ces petites pierres noires, je suis désolé, j'ai oublié le nom, parce que je les ai déjà éliminées, que vous pouvez monter Naru, chaque fois que vous arrivez au Naru Pen 5, le jeu le transforme automatiquement en tu vas là prix. Tu vas là, hein, en prix 1, d'accord ? Vous avez le prix 1, le duo 2, le tri 3, le tête 4 et le pen 5, ok ? Donc, si vous cassez un équipement Tuvala en essayant de le monter à pen 5, surtout, n'allez pas racheter un Tuvala chez le forgeron avec ses pierres d'âme. Non, vous remontez un Naru, ça va vite, c'est quasiment automatique. Et ensuite, vous, de prix 1, vous remontez à pen 5, ok ? Donc, on a tout l'équipement. J'ai tout vidé. J'ai vidé mon inventaire par sécurité. Il me reste que les costumes, tout ça, ainsi que les Valks qui sont ridicules. Les tout petits de 20 à 30. Tout le reste, j'ai tout mis dans l'inventaire. J'ai tout mis dans le stockage. Et donc, on va changer de serveur. Alors, c'est tout simple. Vous venez sur Quitter. Et vous avez ici donc la liste de tous vos persos. Ce que vous avez, les emplacements disponibles. Vous voyez que j'ai donc ici le personnage saisonnier. Et on va cliquer sur changer de serveur. Et à partir de là, vous pouvez choisir. Ça a pris moins de 20 secondes. Donc, maintenant que je suis revenu donc sur un serveur classique, on reclique là-dessus, sur passe saisonnier, et on va confirmer la remise de diplôme. Voilà, bon, allez, on est prêt. Voilà, donc je suis toujours sur New Olvia, hein, ok. Bien évidemment, là, je ne suis plus saisonnier, donc je ne peux pas me connecter sur un serveur. Hein, on est logique. Et donc, voilà, j'ai récupéré l'équipement. Alors, pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais expliquer déjà. Donc, moi, mon objectif, c'était de récupérer les armes pour mon perso principal qui est Cobra. Mais donc, ce que je fais... Je viens ici. Oui. Eh oui. On stocke tout. Mais quand je dis qu'on stocke tout, c'est que on peut tout stocker. J'ai vidé mon personnage, d'accord? Je stocke tout pour mon prochain. Donc résultat, quand vous recréez un nouveau personnage, les dépôts sont accessibles. Cross serveur, que vous soyez sur un serveur PVP, un serveur PVO, ou désolé, je parle en anglais, ou un serveur saison. J'ai même pas ouvert la boîte de soutien, donc je peux l'ouvrir sur un autre personnage. Ça, je dois avouer que Black Desert Online sur ce côté-là, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais s'ils l'ont fait exprès, c'est fabuleux. S'ils se sont plantés, tant mieux pour nous, on en profite. Ben oui, on en profite. Mais vous croyez quoi? Que tous les joueurs qui jouent à BDO, ils ont des comptes principaux et le reste, mais ils font des personnages saisonniers. Eh oui, ils font des personnages saisonniers. Bon, alors avant de le détruire, celui-là, je vais donc moi recréer un nouveau personnage qui va me servir pour le début de la vidéo, parce que celui-là, il était déjà commencé et je ne pouvais pas m'en servir. Mais enfin, voilà, hein, vous avez vu comment on fait rapidement. Alors, chacun le fera comme il le veut. Je vous l'avoue, hein, chacun le fera comme il le veut. Lui, j'ai fait une bourde. Ça m'a pris plus de temps. Pourquoi? Parce que, outre le fait que je reprenais le jeu en main, je me suis dit que c'était peut-être sympa de jouer l'archer. Alors, j'ai pas fait les quêtes. Jusqu'au niveau 50-55, j'ai pas fait de quêtes réellement. Non, en fait, j'ai commencé les quêtes lorsque je suis arrivé à Altinova. J'ai chassé tout ce que je vous ai montré. Et quand je suis arrivé à Altinova, il y avait certaines quêtes que j'avais pas faites sur Cobra. Donc, j'ai fait les quêtes.
J'ai fait les quêtes, mais en fait, je suis allé jusqu'à Valencia. J'ai fini toute la quête, là. Oui, non, mais je me suis baladé dans le désert. Et ça a été chiant. Je dois l'avouer que ça a été chiant, parce que le chameau, il va plus vite que le cheval standard, parce que j'ai pas encore de chevaux mythiques. Mais j'ai pas pu faire la quête du... Voilà, celle-là, j'ai pas pu la faire. J'ai pas réussi à tuer le gardien chef. Il faut que j'y retourne avec l'équipement au maxi, les cristaux, les artefacts, tout optimisé parce qu'il est, d'enfer. C'est plus qu'un boss, lui. J'ai éliminé... Alors, je suis resté là. Voilà. Le sanctuaire du croissant, j'y suis... Bon, j'ai passé des heures à tout éliminer. La vallée de Titium, ici aussi. Donc... On a tout un tas de quêtes plus du farm à faire. Mais j'étais pas venu jusqu'ici. Cobra, je l'avais monté au niveau 60 en faisant que des quêtes. En faisant un peu de farm. Mais là, sur cet archer-là, j'ai fait du farm à mort. Et donc, en fait, voilà, on y arrive. Ça prend plus ou moins de temps. Alors, ceux qui vous disent, ouais, j'ai vu des tutos en anglais, ouais, en une heure, vous pouvez... Ouais, non mais d'accord, mais bon, les mecs, ils ont déjà un compte qui est maxé. Et quand vous avez un perso qui est équipé avec des artefacts, avec des effets d'artefacts, avec des cristaux transfusés, vous voyez, sur celui-là, j'ai tout fait, mais avec rien. J'ai tout fait, j'ai monté avec rien. Donc, ça m'a pris quelques heures de plus. Donc, bien évidemment, ceux qui ont déjà tout, à partir du moment où vous pouvez le sortir du personnage, quand vous avez fini et que vous mettez dans le stock... Et vous récupérez les pierres pour le reste. Prenez votre temps, montez plusieurs personnages, récupérez de l'argent. Ensuite, vous préparez, chaque fois que vous voudrez monter un saisonnier, vous préparez des artefacts qu'il faut, etc., etc. Et comme ça, vous vous éclatez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo tuto sur BDO Black Desert Online pour vous permettre... de faire un fast leveling en anglais, une montée de niveau rapide en français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye.